Hello tout le monde, ici Vinsu de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour la suite de Sea of Stars, le RPG 1D en pixel art de Sabotage Studio. On avance, et petit à petit, la fin se précise. Donc on avait pas mal, encore une fois, avancé la dernière fois, on avait bien mis sa race à un autre de l'effroi. Et là, clairement, avant de finir, je voulais un petit peu prendre le temps de faire un peu tous les petits à côté que j'ai pas encore trop fait. Donc là, j'annonce clairement, ça va être une vidéo un peu chill sur les bords, où on va donc partir un peu à la recherche des conques. On va faire la fin de ce délire des temples du solstice, parce que je crois qu'il faut valider ça à un autre endroit, mais je me rappelle plus trop où c'est. J'ai bien une petite idée, mais on va vite confirmer ça. Et essayer aussi d'amener au village des Dokari les conques que j'ai, parce que je me pose une question sur toutes les conques. Il y a encore pas mal de petites choses que j'ai pas encore pu faire dans le jeu, notamment les plans à Myrte, etc. Par contre, là, j'ai quand même pas mal de conques. Je vais voir si, en fin de compte, il fallait toutes les accumuler, ou si petit à petit, je me pose la question, ou si petit à petit, il fallait régulièrement aller voir le marchand pour avoir des bonus. Donc je ne sais pas du tout. Pour l'instant, j'ai toujours fait 100. Et on verra. Donc, c'est parti. Hein. En tout cas, attends, la dernière fois, je disais, bon, j'ai un peu hâte de le finir. C'est vrai que j'ai toujours un peu hâte de le finir, mais... voilà. Youhou! Toujours un peu hâte de le finir, mais ça restera quand même un très très grand moment que j'aurai passé sur ce jeu. Bon, je n'ai pas encore fini, hein. Je pense qu'il y en a encore pour cette vidéo qui sera peut-être un peu longue et ce sera que du chill. Et c'est vrai que ça me fait penser que... Ouais, donc il y aura aussi sûrement une dernière vidéo pour le dernier donjon, voilà, il y avait ça, là, que je savais... Je sais pas encore trop ce que c'est. Je viens de voir un truc, là. Alors là, il y a là, j'y suis pas encore allé. Et il y a ça. Bon, peut-être que c'est lié. Écoute, on va y aller tout de suite, on est là. Hop. Là, je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas d'indication. D'accord. Alors c'est, je croyais que c'était, ça faisait partie d'un genre de donjon caché, mais en fin de compte, hop là. Mais en fin de compte, apparemment, ça mène à ça, à des cristaux qui sortent de la flotte. Et ça ressemble aux cristaux là qu'il faut allumer les trucs au sol, qu'il y a là, donc on va faire pareil, écoute. Oups, c'est là. Donc là, ça fait partie des petits à côté qu'il faut, je suppose, faire... Qu'il faut faire à la fin du jeu, parce que là, c'est un endroit qui était inaccessible jusqu'à présent. Maintenant qu'on a le pouvoir du vol, on peut tout à fait... tout à fait faire ce genre de truc. Voilà. Hop. Donc, ça mène apparemment à des trucs en plus. Bon, écoute, on va aller boire. On va bien voir tout ce que ça donne. Ruine d'Okari. Bon, là, il y aura sûrement des petites conques au passage où... ou d'autres équipements. Je pense que là, la dernière fois, d'ailleurs, objet équipé. Voilà, bâton en néo truc et lame plasma. Ah non, c'est armure éclipse. Bon, quelque chose me dit que c'est, voilà, protection ultime de guerrier du soleil, de guerrier du solstice. Voilà, là, typiquement, je pense que c'est les armures ultimes de ce jeu, là. Et je pense qu'après, il me restera certainement des armes ultimes aussi, et puis peut-être aussi un combo ultime, quoique il me semble que j'ai débloqué le succès quand je les ai tous eus. J'ai déjà oublié. Bon. Là, en tout cas, on va faire la petite série d'énigmes. Et ça mène à des... Ça mène à ça. Bon. Peut-être que ça continue plus loin, je sais pas encore. Un coffre. Plouf, plouf. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Une case. Là, on peut pas monter. Sûrement amener la caisse ici. Ah, là, il y a quelque chose.
Ok, ça monte, ça descend. Oh, ça mène au reset, apparemment. Alors. Ok. Ok, d'accord. Donc là, je commence. Je pense que j'ai commencé en faisant le caca. Et ça, à mon avis, c'est pour faire resetter la caisse, non? Ah non, ça va. On peut faire autrement. Bon, alors là, j'y vais totalement à tâtons, hein. On verra bien si c'est compliqué ou si c'est relativement facile à gérer leur bordel. Voilà, ça déjà c'est pas mal. Ah, ça me fait penser que je voulais retourner aussi à l'autre temple du solstice, là où j'étais allé. Parce que je me demande s'il n'y aurait pas un petit succès caché, genre quand. Hop là. Genre quand on appuie sur tous les cristaux là. Hein. Bon, là par contre, c'est quoi le délire hein? Donc je vais vite y retourner après ça. C'est con, j'aurais dû y penser le faire dès que j'avais recommencé, parce que j'y étais. C'est pas grave. Là. Pense qu'il va falloir. Ok, alors bah là, c'est du pif. Ça va aller là-bas. Je suppose que là, c'est pareil. On verra bien. Ah, l'autre connerie là-haut, là, qui ne descend pas. Enfin, qui ne monte pas, plutôt. C'est con parce que moi je veux ce coffre. Et je veux aussi. Oups. Je veux aussi aller là. Bon, là ça va être ça toute la vidéo, hein, j'annonce les gens parce que j'ai pas. Il faut que. J'ai vraiment pas mal de petits à côté à faire là. Ah, j'ai compris. Tac. Voilà. Alors, je pense que là, ça va suffire pour aller ici. On verra bien. Normalement, on est juste à côté. Voilà, merci, monsieur Dame. Des thunes. Jamais en manque de thunes, donc on dit pas non. Vu que des fois le jeu te demande de faire des dépenses un peu surprises, comme l'autre fois là pour acheter à 250 balles la table de jeu là. Là, on est bon là, tu crois? Ah bah voilà, là on est archi bon. J'ai un éclat de Dokkari. Ah! Alors, ça implique qu'il y en a d'autres, logiquement, autour des trucs que j'ai activés tout à l'heure. Donc, bah, je pense que j'ai fait ce que j'allais faire ici. Il clignote plus, là, le petit mur qu'il y avait en bas. Apparemment, non. Bon, bah écoute. Au pire, je sais qu'il faudra revenir là. Hein. On verra bien. Hop. Bon, et de 1. Tous les coups, il faut les A. Il y en a 4. Il faut peut-être les A, B, C, D pour ensuite les mettre quelque part. Je sais pas encore. On verra bien. Bon, voilà pour ça.
c'était là. Je voulais aller donc à l'autre temple du solstice. Qui était... Ah ! Allez, on est en plein dedans. Ah d'accord. Ah ! Tiens, qu'est-ce que je disais depuis tout à l'heure du début du jeu, que dans ce genre d'endroit, il y a toujours des trucs. Voilà. Et ben, j'avais raison. Oups, je me perds dans les... Voilà. Donc, il y avait bien, en effet, quelque chose ici, mais ça venait plus tard. Voilà, encore des runes englouties. Ça m'étonne pas. Alors, j'espère que ça va pas trop me prendre la tête, ces histoires de labyrinthe, là, parce que... Apparemment, il y a plein d'endroits où aller partout, là. Là, faut encore taper avec le marteau. Pas un petit coffre caché, là. Allez, labyrinthe, à nous. Oh putain, quand il y a ce genre de dalle. Tous les coups, les ouais, voilà, si la caméra elle monte, c'est que les solutions sont là. Donc, alors, bon, mais du coup, faut faire comment? Dans quel sens? Dans quelle heure? Ok. Alors, ça, jusque-là, je suis... Ah oui, et puis il faut souffler. Alors... Allez, réfléchissons. On n'est pas plus bête qu'un autre. N'est-ce pas? Quoique... Des fois, je me demande. Voilà, là, typiquement, j'ai fait de la merde. Bon, écoute, on va essayer de faire... Par contre, on peut pas pousser les... Apparemment, non, on peut pas souffler sur les machins pour les faire changer de sens. Alors, lui, il était dans l'autre sens. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh là 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 là. Bon alors là, bidon. Toi. Là, visiblement, non. C'est plutôt toi qui devrais aller là-bas. Hop. Si j'en suppose un. Non, ça va, ça risque pas d'être ça non plus. On y arrive quand même petit à petit. C'est fou, hein, ce genre de délire là. Qui te prennent quand même bien la tête. Et non, là, je l'ai remis là où il était. Ça, c'est pareil, c'est quoi, ça?
En fin de compte, il faut refléter. Ouais. Il faut refléter les reflets. Tac. Non. Tac. Tac. On va y arriver, hein. Quand, je sais pas, hein, mais on va y arriver. Ah bah voilà. Tac. Tac. Là, on est quand même pas mal, là. Là, ça fait quoi? Ça donne quoi, là? C'est ça. Non, là, c'est n'importe quoi. Et bah voilà, c'est pas ça. Non, visiblement, il fallait que ça s'arrête. Peut-être que c'est avec lui que ça s'arrête. Attends, là, ça fait... Ouais, ouais, là, ça se reflète encore. Il faut que je le vire. Je suppose hein, que c'est avec ça que ça s'arrête, puisque je vois rien d'autre. Et bah, c'est parti pour se reprendre la tête avec les autres. Donc, là... Donc, lui, c'est la clé. Toi. Là, il me faut toi. Tu vas aller en bas. Bon, c'est un joli bordel de jeu de blocs, là. Oh, merde. Tac, tac, tac. Ça, on n'en a pas besoin, là. Il me faut un truc pour bloquer... Comme ça. Comme ça. Non, là, je crois que je fais de la merde. Et bah, et bah, et bah. Et me faut... Attends, si. Tac, tac, tac... Je pense que là, il me faut lui. Ah bah non. Suis-je bait? Poum, poum. Toi, tu dégages. Toi, t'es là. Normalement, on est bon. C'est plaisant à faire quand même. Hein. C'est un peu galère à comprendre et à réaliser, mais ça reste un peu plaisant. Donc là, il faut. Toi, t'es là. Toi... toi, il faut que tu ailles en bas. Il faut que tu retournes en bas. Pam. Et toi, il faut que tu retournes à gauche. Là, là, là. Là. Fatigant, hein. Tac. Tac. Voilà, toi. C'est pour la fin. Et bah, Dudu, normalement, on est bon. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, là, là. Il faut que ce soit reflété. Oh, franchement, on est bon là. Là, on est d'accord, il est cassé le machin, là. Après, je suis sûr que lui, je l'ai pas utilisé de la truc encore, donc... Si, je l'ai utilisé, je sais même plus.
Ah mais là je comprends pas, hein. C'est là pourtant. Allez, on fait un peu marcher sa boîte à camembert. Là, on est bien d'accord, c'est le dernier. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Alors, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut. Mais si je fais ça, le laser s'arrête là, pourtant. Mais je vois pas d'autre solution là, les frérots là. Mais là, c'est pareil. Hein. Là, les deux lasers vont se répertorier, répercuter. Alors, attends. C'est pas celui-là qui le renvoie je ne sais où. C'est pas celui-là qui le renvoie nulle part. Lui, à moins qu'il soit en fait pas cassé. Putain, mais dans ce cas, un petit indice. Attends, je vais essayer de le mettre là, parce que s'il faut, c'est lui qui le reflète là où il faut, là. Toi, tu dégages. Là. Voilà, là, c'est un joyau foutoir. Merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Là. Non. Là. On va y arriver. Putain, quelle épreuve. Là, il se reflète là et là et là. Et normalement, on est bon. On va essayer, hein. Je dis normalement, mais s'il faut, c'est encore pas ça de sa race là. Toi, il faut que... Bon, en fait, je me suis encore bien pris la tête. Hein. Ah bah non, voilà, c'est bon. Ouf. Bon, là, si on n'est pas bon, je comprends pas, là. C'est bon. Eh ben, c'était ça. Bon, bah, joli petit jeu de d'équilibriste labyrinthique, on va dire. Ah, c'est le C. Tant qu'on y est, attends, j'ai peut-être mal vu, mais il y a peut-être des coffres cachés quelque part là. Non, pas de coffre. Rien à manger non plus. Mal au cerveau. Ouais. Fait mal aux cheveux votre truc là. Alors, ABC. Je voulais aller, on avait dit, au temple du solstice. Ça, c'était pas là, c'était pas là. On n'y voit rien. Je veux bien un peu de jour, s'il vous plaît. C'était là. Je veux juste vérifier que j'ai appuyé sur tous les cristaux, là, parce que s'il faut... Ça me ferait chier de louper un petit succès tout mignon à cause de ça, là. Alors...
Ouais, non, j'ai pas appuyé sur les cristaux. Voilà, là c'est typiquement le genre de petit succès, succès caché là. Là, j'ai appuyé. Là, j'ai appuyé. Que je me trompe pas de... Là, j'ai appuyé. Ah, ok, donc j'ai appuyé partout. Il y en avait un que j'avais pas appuyé. Bon, peut-être qu'il y en aura un autre plus tard à activer, hein. Mais déjà, je me sens mieux. J'avais oublié un cristal. Voilà, ça y est, j'ai réparé ma connerie. On peut repartir, l'esprit tranquille. Alors, on va aller dans les... à la recherche des autres cristaux. Là, on avait trouvé un truc, c'était un espèce d'étang mystérieux, on n'avait rien à y faire pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, il faudra sûrement retourner plus tard. Voilà ce que je cherchais. Où est le bordel? Ah, c'est là. C'est cool, hein, ce genre de petit truc bonus que tu débloques en plusieurs endroits, surtout. C'est sympatoche. Rune engloutie. Et ben c'est reparti pour des runes englouties. Hein. Pas un autre petit coffre caché quelque part là, voilà, genre là un truc au fond là, bien au fond dans le coin là. Non. Et encore un fragment avec un bordel de merde de labyrinthe. On peut pas monter. Ah si, on peut monter. Et voilà le travail pour ça. Je suppose que... Voilà. Bon, s'il faut, celui-là, il va être facile et logique, hein, contrairement à celui-là d'avant qui était un petit peu limite mathématique. Boum, boum. Voilà. Voilà le dilemme. Donc là, normalement, on est d'accord. C'est ça. Ok. C'est bien pensé, n'empêche, hein. C'est quand même bien pensé. Là, on a débloqué. Voilà, ça. Et là, ch'tong, ch'tong, ch'tong. Ok. Bon, là, c'est plutôt du logique, j'ai envie de dire. Si c'est bien ça, en tout cas. Bon, celui-là, on peut dire qu'il était vite expédié. Hein. Je pense qu'en faisant le, en commençant par le plus dur, bah, j'ai commencé par le plus dur justement.
Et là, il n'y a pas de petit trésor caché là dans les sous les cascades là, non. Bon, allez, on n'a plus rien à y faire. On a pris les fragments. On a pris les fragments. J'ai pas vu de coffre bien caché. Au pire, si vous en avez bien vu un, bon, engueulez-moi dans les commentaires. Hein. Eh non, putain d'aveugle. Il était flagrant pourtant. Et il y en avait 4, j'en ai fait 3. Ah, là, c'est le... la suite. Enfin, c'est la fin du... Oh, bah putain. Mais oui, il va jusqu'où, là? Ils sont sérieux, là? Alors, attends. Eh ben, dis donc, celui-là... L'ingénieur qui a mis ça en place sur Terre, là... peut-être temps qu'il se fasse soigner. Ah. Ça me fait penser à un truc. Tout à l'heure, je vais aussi aller lire les autres histoires qui me restent au Vespertin, là, avec Tix. Parce que, là, j'ai fait un petit truc hors caméra, j'avoue. Équipé sérail, éclat d'étoile. Ouais, je suis allé battre le robot un petit peu par hasard, disons que je savais déjà où il était, pour le robot de sérail qu'on débloque en lisant une de ces histoires, justement. Donc peut-être qu'en lisant les autres histoires, je vais débloquer d'autres trucs à faire et qui vont me donner des armes, sûrement les armes, les meilleures armes pour les persos. Bon, alors là, du coup, on a quoi? Ah bah voilà, bah, c'était là. Cool. Cool, cool, cool. Peut-être un boss, du coup, qui va venir, ou... Sauvegarde. Sauvegarde. Une grande place. Sans le boss. Merde. On va peut-être... Attends. On en était où dans les... Dans les cuisines, là? Bon, j'ai encore des trucs. Écoute, on va bien voir, hein. Ouais, bagarre, bagarre. Alors, normalement, il est prévu pour être affronté vers la fin du jeu, donc il devrait être costaud. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Déjà, est-ce qu'il encaisse comment, là? C'est quoi ses points faibles à celui-là? Ouais, un petit 150... Alors là, putain, en un coup, il me fait ça, genre en un coup, mais j'aurais pas le temps de faire 4 machins. Ils ont craqué, hein, allez, bouclé lunaire. Bon, bah, de toute façon, on va encore prendre le temps de bien faire les choses, hein, et puis on va se le faire, ce petit boss. Ah d'accord. Ah, ça va pas suffire pour faire ces trucs-là. 38. 38. Est-ce que j'ai le temps de me les faire tous? Je sais pas, je pense pas. Qu'est-ce que ça donne sur le physique? Ouais, d'accord, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, par contre, je peux peut-être essayer. Attends, ça... Alors, c'est bouclier lunaire, croissant de lune... Non, c'était ça, mon frisbee lunaire, là. Ah, mais je peux pas le cibler, en fait. Bon, ok, y a pas le choix. Autant pour moi. Allez, frisbee lunaire, agis tout de suite. Ah si, je touche quand même. Oh putain, alors là, j'étais surpris. Bordel de merde, c'est pas très bien expliqué, votre bordel, hein. Bon, 0-0. Pour l'instant, ça me va. Pour l'instant, de faire qu'il me fasse 0 points de dégâts, ça me va très bien, là. Ouais,
frappe puissante. Allez, on va essayer de taper tout le monde. Ouais, non, il va quand même me le faire. Il va quand même m'attaquer avec ses petites merdes, là, donc... Bah, écoute, attaque-moi avec tes petits caca. Ouais, 68, hein, sans le bouclier, ça pique un peu. Qu'est-ce qu'on a de bon, du coup? Allez, on va refaire de la mana. Ah ouais, 272. Oh, mais t'as craqué, frérot. Du coup, il faut vite que je me soigne, là. Parce que, attends, ça picote, là. Ouais, ça, il faut que j'en fasse mes 20, quoi. Hop là. Petit bouclier lunaire. Non, pas maintenant. C'est ouf, là, le un seul coup qui fait 275, mais c'est quand même fort, là. Ça fait mal. objet, soin, oui. Là, c'est pareil. Il va sûrement me faire revenir encore ces quelques merdes, là. Lunaire, hein, vous soignez. On peut faire un combo ultime, c'est cool. Je vais faire une attaque, une super attaque là de Zal, certainement. Ouais, fais-moi plaisir, Zal. Nettoie-moi tout ça. Parce que là, mine de rien, je suis en train de me faire étaler là. Après, j'ai l'impression que les dégâts, je sais pas, ils sont un petit peu artificiellement montés, je trouve. J'ai quand même la meilleure armure du jeu, là, pour les personnages, là. Et faire autant de dégâts sur une seule attaque, moi, je trouve ça un peu fort de café, hein. Allez, cette fois, croissant de lune. Non, pas croissant de lune, lune à rang. Et on se concentre sur les 5. Ça va être dur, là. Et oui. Oh, putain, je fais n'importe quoi. Non, là, faut soigner les potes, là. Ouais, faut soigner, mais de ouf, là. Il faut soigner, il faut rester attentif là sur les dégâts. Il va encore faire mal de fou lui. Non, lui ça va 0, mais j'ai plus la protection. Lui il va faire 68. 90. Mais ils sont sérieux là. Descendre du coude, allez, finis-moi ça. Là, en plus, il me faut un perso que j'ai pas. Il me faut Serail. J'ai pas Serail, donc je peux de toute façon pas lui faire... pas lui claquer tout ça. Allez, Plotek. Putain, par contre, faut que je bouffe des DPM, là. Ah, on a plus que deux. Est-ce que c'est un signe qu'il est en train de bien manger, là? Allez, on donne tout ce qu'on a. Là, on va encore manger, hein. Et bah écoute, quitte à manger, autant attaquer. On fait une petite régaine et
Toujours pas faire mon combo ultime avec un autre perso là, ça saoule. Allez, bah, pareil. Hein. Attaque. Je peux faire un petit combo là par contre. Ça va être bien ça. Combo, et ça va sûrement me charger. Attends, tac, tac. Et chaque accu et chaque attaque fait un rune régen. Allez hop. C'est abusé ça. C'est abusé mais de ouf ça. Oh mais ces attaques, mais ces attaques, putain. Faut vite que je le finisse là, ce boss là, parce que... Il me fait des attaques prévues pour m'éclater à 99% de vie. C'est pas possible ça. Ah non, ça va pas le faire du tout, hein. Je peux pas tenir à ce rythme là. Ou sinon je le refais mais en mode à la fiotte, hein, tant pis, j'utilise la relique pour faire les dégâts en moins, mais là franchement c'est pas possible de tenir ce rythme là. Ouais, ou sinon je vais faire comme pour l'autre boss, hein, je vais jongler entre les morts, ceux qui reviennent comme ça, là, parce que là, c'est vraiment chaud patate, là. J'ai plus de quoi soigner. Non, c'est chaud. Écoute, faire ce qu'on peut, hein. Pire, on recommence avec la relique, parce que basta. Voilà, 170, ça va être ça tout le long, hein, donc j'espère qu'on va tenir le coup de tenir sur le temps, hein, sur la longueur. Frappe. Allez, t'avais l'air d'aimer ça. Fais-lui mal. J'espère que le boss de fin, il sera un peu plus... ou sinon, il faudra que j'y aille avec une tonne de bouffe, hein, parce que sinon, il n'y aura pas le choix. Hop. Compétence. Et non, je peux pas. Lui, il est à 9. Allez, donnez tout, hein. Ouais. Je peux encore jouer avec Bidule, oui. Je vais faire ça. Sinon, lui, il m'attaque à 68. Ah non, il faut que je me protège le plus possible. Putain, dès que je sors de ce combat, mais alors, je fais de la bouffe. Il n'y a pas le choix, là. Allez! C'était gratuit. Heureusement que je viens de le dire, hein, qu'il faudra que je me protège au taquet, là. Allez, s'il vous plaît, finissez-le, là. C'est le moment, là. Bim. Putain. Et même avec la Protec, ça me fait quand même un bonus de sa race, là. Pas gérable, c'est pas gérable, et j'ai même envie de dire que je trouve pas ça super légal, hein. C'est pareil, il va falloir que j'attaque encore pour charger mon bouclier machin là. Je vais refaire ce combat avec la relique parce que franchement, c'est abusé. Je trouve, c'est quand même overcraqué. Ouais.
la manière de faire autant de dégâts comme ça sur des attaques calculées à l'avance pour t'éclater, je... Ouais, je sais pas. C'est exactement ce que je m'attendais. C'est pas normal. J'ai rien contre les grosses attaques, hein, mais là, j'ai l'impression que c'est pensé pour te faire tomber. Donc, bon, sauf si tu continues à bien gérer le coup, à tenir le coup, te soigner régulièrement. Alors, du coup, on est là. Dokkari, objet, cuisine, tarte berce-lune. J'aurais peut-être pu faire ça aussi, tu me diras. Je vais aller cuisiner ailleurs. Je vais aller cuisiner et je reviens. Voilà, c'est pas possible. Alors, on avait dit qu'on voulait aussi... Ah, merde, c'est pas ça. C'était là, voilà. On va cuisiner dans le bateau, puisque on peut cuisiner dans le bateau. Et on va aussi... prendre le temps un peu de faire les histoires. Montre quelque chose sur la carte. Et quoi? Ah bah alors là. Il faut que j'aille là. Bon bah ok, je découvre. J'irai. J'irai. Mais avant, on cuisine. Je voulais aller là parce qu'il me semblait qu'il y avait de la bouffe à prendre. Je voulais faire ça. C'est ça, hein. Ça soigne tout le monde. Bon, j'en fais que deux en plus. J'ai quoi comme autre plat déjà? Oh, putain, je suis pas au top en plat là. Ça, ouais, j'en ai qu'un seul, ça soigne 100%. Plus plein de vie. Ouais, bon bah. 12 PM. Bon bah, on va bourriner ça, j'espère que ça va le faire. Ah oui, et puis j'avais dit cette fois, basta, parce que là c'est clairement en chier pour en chier. Donc, réduit les dégâts de. Voilà. Allez, si ça vous plaît pas, insultez-moi. Insultez-moi, j'assume. Et que les boss comme ça, hyper calculés pour te faire chier, bon. Allez, un petit peu d'histoire. Nouvelle histoire, paradis perdu. Alors, celui-là, ah bah j'avais déjà entendu celui-là, je savais même plus que je l'avais faite. Et bah c'est parti pour deux histoires, mes loulous. Et Wilda était un leader juste qui n'avait que faire des titres. On raconte qu'elle passait autant de temps au manoir Aventry, à manoir Duc Aventry, manoir Aventry, qu'en ville auprès de son peuple. Sous son règne, Lucen connut la prospérité, honorant son titre de bastion de la lumière comme jamais jusqu'alors. Elle était accompagnée du Duc Aventry, un fier, noble, féroce défenseur de sa terre et de son peuple. Parce que, ouais, la dernière vidéo, j'ai fini le délire du Duc Aventry, là, donc j'ai eu son histoire. D'une fidélité sans faille, on raconte que seul son amour fougueux pourrait Wilda rivaliser d'intensité avec la flamme de son dévouement à Lucent. En dépit de la menace constante du château mécanique, il parvint à assurer la protection, le bonheur et les espoirs de leur peuple. Une nuit, lors d'un long voyage à l'étranger comme tant d'autres, le Duc Aventry fut réveillé par un émissaire portant des ordres urgents. Et Wilda lui demandait de revenir à Lucen sur le champ, sans aucune explication, si ce n'est l'allusion à une menace imminente. Quand le duc arriva, il fut accueilli par une tempête de feu qui faisait rage et avait brûlé une grande partie des terres, mais aucune force ennemie en vue. Bah merde alors. Un guerrier du solstice, du soleil était devenu malveillant. Caché quelque part sur l'île, il sortait une fois par jour pour épuiser ses pouvoirs, consumant lentement le paysage. Grâce aux traces laissées par l'embrasement, il fut facilement retrouvé. Leur combat dura des jours, mais il avait beau y mettre toute sa force. Le duc Aventry fut incapable de vaincre le guerrier du solstice hostile.
Au vu des dégâts collatéraux causés par leur combat, il accepta un statu quo et se retira afin d'éviter de détruire davantage sa terre déjà ensanglantée. Rongé par le désespoir de ne pouvoir protéger son peuple, le duc Aventry baissa sa garde et c'est ainsi qu'entra en scène l'ennemi. L'acolyte 2 du Flinch Monster, ah oui, 2, 1, 2, 3, 4, s'approcha déguisé, et lui offrit un éclat magique. Cet ancien éclat a été fabriqué par les Ovates eux-mêmes, mentit-elle, totalement consciente que le duc Aventry était mentalement épuisé. Il enveloppera votre île dans les ténèbres. Absolu, le temps d'une journée, bloquant la lumière du soleil et de la lune. Les pouvoirs de mon ennemi seraient, réfléchit-il, mais... Jouant sur le sens de l'honneur du duc Aventry, deux avança un dernier argument. Le guerrier du solstice, non plus, n'a pas respecté les règles. « Vous voulez certainement protéger votre peuple ? » demanda-t-elle. Le duc Aventry accepta l'éclat et la remercia pour son aide. « Il vous suffit de briser l'éclat avec conviction et sa magie se manifestera », expliqua deux en s'éloignant. Il ne perdit pas un instant pour briser l'éclat et en déclenchant de plein gré la malédiction sur cette île, il joua directement le jeu des acolytes. Le boulet. Tout se passa bien au début, le voile nocturne recouvrit les terres et le duc Aventry ne fit qu'une bouchée du guerrier du solstice affaibli. Dès le début des célébrations, ils firent appel à des mages du vent afin d'envoyer des vagues suffisamment fortes pour inonder la partie est de l'île. Les flammes furent enfin éteintes, mais ce faisant, ces régions se transformèrent en les marécages, je crois que c'est mal traduit, que nous connaissons aujourd'hui. Tout le monde accepta ce changement puisqu'il allait de pair avec leur victoire. Il leur fallut quelques semaines avant de comprendre que le voile nocturne ne disparaîtrait jamais. Malgré le soutien indéfectif de son peuple, le duc Aventry ne put se pardonner une telle erreur. Comprenant enfin ce qui lui avait réellement choqué les donné l'éclat magique, il partit pour le château mécanique. Ce jour-là, le duc Aventry joua pour la seconde fois le jeu des acolytes. Pendant son absence, l'article 3 du Flinch Panzer s'infiltra dans le manoir Aventry et tua Ewilda et Badidon. Le rituel ainsi accompli, une graine du mal fut plantée dans le manoir, qui, plusieurs siècles plus tard, donnait naissance à l'hôte du malheur. Dans les jours qui suivirent cette défaite totale, le duc Aventry mourut de tristesse et de désespoir, comme si le destin ne s'était pas déjà montré assez cruel. 200 ans plus tard, Romaya trouva son urne et le ramena d'entre les morts pour en faire son garde du corps. Pendant des décennies, le duc erra dans les marécages. Sur lesquels il avait autrefois régné, privé de tout souvenir et rongé par une tristesse inexplicable. Dans les moments de lucidité, il était envahi d'un désir aussi profond que bref pour quelque chose qu'il n'arrivait pas à cerner. C'est ainsi que vécut le duc pendant un demi-siècle, jusqu'au jour où de jeunes guerriers du solstice récupèrent le mélon des Wilda et lui ramenèrent sa mémoire retrouvée. Le duc Aventry brisa le médaillon et, ce faisant, rompit le lien qui le attachait qui rattachait son âme au plan matériel. Il put enfin trouver la paix et quitter ce monde. Fin. Eh bien, allez, la petite dernière histoire. Je sais pas si après il y en a d'autres en plus. Celui-ci est spécial. C'est le journal d'un aventurier. Vous devriez peut-être prendre des notes. Ok, bon, on verra. Journal de Joss, expédition Cyrulienne, jour 1. Je ne m'attendais pas à ressentir de la peur aussitôt quand je pense qu'on risque de retomber par hasard sur elle, la reine d'antan. Mais nous devons la trouver où elle pourrait prendre l'avantage sur Lamentation. Même la lune engloutie sait que sa trahison a fait suffisamment souffrir. Nous sommes 3 équipes, les 2 autres menées par Brochu et Elbi. Notre plan, chaque équipe a une série de 4 directions. Ah d'accord, donc du coup, bon, là je me suis auto-spoilé un peu comme un teubé la direction, mais en vrai c'est dans cette histoire que tu connais la direction. Putain, c'est bien pensé, c'est bien foutu. 4 directions, 4 jours, après quoi nous faisons demi-tour pendant 4 autres jours et nous comparons nos notes. C'est ça les directions. L'équipe de Brochu part au nord-est, sud-est, sud puis nord-est. L'équipe d'Elbi partit au sud-est, sud, sud-ouest puis est.
Quant à mon équipe, nous allons au nord-est, nord-est, puis sud. Journal de Joss et Nana, c'est pas croyable. Et pourtant, une seconde lecture de notes, ça me sautait aux yeux. Brochu a dit que tout allait bien les deux premiers jours, puis quelque chose clochait. Elbi a raconté s'être sentie perdue tout le temps, sauf le jour 4 où elle avait retrouvé de l'énergie. Quant à moi, le jour 3 était spécial, cette orbe à grande vitesse devait nous conduire à son trône, mais comme tous les autres, il était plus amanté, plus alimenté, pas moyen d'avancer. Et vu ce que j'ai perdu toute mon équipe, vu que j'ai perdu toute mon équipe jusqu'à ici, plus de retour non plus, c'est fini pour moi. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez trouvé mes affaires. Alors qu'on le sache, Joss était là. Fin. Ok, alors là, il faut résoudre la petite énigme pour trouver le vrai chemin qui mène à la reine d'antan. Mais bon, là, moi, je l'ai déjà fait. Et je l'ai fait hors caméra la dernière fois, donc c'est pas de bol. Je me suis battu contre le robot qui était assez costaud, mais ça va, j'ai pu le gérer. Je l'ai battu pour une première fois, un peu sans faire exprès d'ailleurs. Mais du coup, je l'ai battu et c'est comme ça que j'ai eu les dernières lames, l'arme ultime pour Serai. Voilà, merci encore pour votre aide. Je suis soulagé de savoir mon peuple en sécurité. Et voilà à quoi ça menait. Mais là, l'autre gros boss là, qui est quand même gros costaud là, trop vieux pour me prendre la tête sur ces conneries entre guillemets, donc on va activer la relique, on va lui botter les fesses, et puis la petite sauvegarde tant qu'on y est. L'heure fatidique. Merde. Prendre la mer. Allez, on prend les mêmes et on recommence en moins stressé. Cette fois, je sais un peu plus à quoi m'en tenir. Combien tu peux lui faire de dégâts, toi, au maximum, d'ailleurs, tiens. Déjà, je préfère que tu te mettes ici, qu'en plein devant lui, c'est beaucoup trop près pour anticiper le timing. Bon, un petit 200, déjà, ça commence bien. Voilà, déjà, avec la petite réduction de dégâts, on va moins se faire chier, parce que franchement, ça me saoule. Je vais pas mentir, ça me saoule. Là, il me fait venir ses merdes déjà, je sais plus. Ouais, c'est ça. Allez, on bourrine. Quand on sera blessé, on se soignera, mais en attendant. Si je peux lui refaire un petit 200... Ah merde, là t'es beaucoup trop près. On va essayer de gérer ça le mieux possible. Ah putain, c'est chaud hein. Quand il est prêt comme ça, que ça s'accélère. Ah voilà, c'est fini les dégâts abusés là. Ça, c'était fatigant là. Bah toi pareil, écoute, hein, orbe solaire, bourriner sa race, ça a rien de s'acharner sur les petits trucs de toute façon, enfin, si à mon avis ça sert, mais bon, je sens qu'il va me saouler ce boss, donc, quand même, hein, putain, malheur, hein. quand même, hein. Donc autant aller le plus possible sur lui là. Oh merde, putain, si en plus je loupe mes... si en plus je rate mes synchros, là, de la défense, là, ça va pas le faire. Putain, maintenant il va m'enchaîner, ouh là là, il y a peut-être encore une technique particulière pour ce boss, là, mais ouh.
Putain, en plus, elles sont super résistantes, là, ces petites merdes, là. Là ça sert à rien. Oh, là, il me les fait venir à volonté, en plus. C'est chaud. Il est vraiment tendu, celui-là. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, le boss de fin, mais s'il est... aussi calculé comme lui, là, qui va me saouler, là. Voilà, là, Bidule, il est revenu. On se soigne avec des PM. Ah, merde, oh, j'ai raté le... J'ai loupé le... La synchro de défense. Allez, fais-moi plaisir, fais-lui mal. Je regrette qu'on n'ait pas un petit pouvoir dans ce jeu de hot, comme on dit. De soins sur le temps, d'un petit soin régulier sur le temps, ça serait pas mal du tout et... Je crois pas du tout avoir vu ça de dispo dans le jeu. Hein. Bouclier lunaire, non là il faut. Combo, on va essayer de charger un peu la barre. Allez. Bim, Hulk Hogan. Alors là, attention les kiki. Là, ça va que j'ai la protection. Ah, heureusement que j'ai la protection, hein. Putain. Ça fait trop mal, ça, sans déconner. Comment je me soigne maintenant? Oh là là, c'est saoulant. J'ai que ça à foutre, moi. Oh là là. Là, je veux le deuxième niveau de combo pour avoir le beau soin, là, le gros soin. Là, putain, on peut toujours pas... Ah non, tiens, là, c'est, je peux enfin me... Voilà, on dit pas non. Il y en a encore deux qui sont sous l'effet du bouclier, c'est cool, là. Allez, hein, toi, on ne l'a pas fait sur celui-là. S'il faut, tu feras plus de dégâts. Allez, bourrine-moi ça. Doom. Bon, ça va, on est quand même un petit peu plus safe, hein, avec la relique, là, qui me soulage un peu d'une partie des dégâts, là, parce que... Franchement, sinon, c'est un peu infernal, là, à suivre. Bah, ça, plus du tiers de ton temps du combat à te soigner, là, pour pas crever, là, bon... là, non, ça va. Il me fait encore... il me fait autre chose. Normalement. Bon, sinon, on va se soigner. Hein. Lunarang, qu'est-ce que ça donne, là? Oh, putain, non. Beaucoup trop près. Mouais. On peut être beaucoup mieux, hein. Voilà, j'ai bien fait de faire ça. Je sais plus la différence de dégâts entre l'orbe et l'attaque de Trunks, là. Elle coûte 120 ou 180, je sais plus, 60. Ouais. Bon, ok, on va gérer, on va rester sur les orbes. Là, c'est minable.
Toi, du coup, tu vas me refaire. Bref, il faut du PM là. Hein. Bim. Il me reste un. Ça qui est encore sous protec. Mais je vais vite refaire bouclier lunaire. Non, oh là là, il n'est pas encore mort. Et allez. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, ça fait trop mal ça. C'est pas normal là, putain. Ah, cette attaque, sans deck. Toujours pas mouru. Allez, vas-y, copain. Fais-moi plaisir. Finis-le. Franchement, j'ai un peu honte hein, de me l'avoir fait avec le, avec la relique là quand même, mais bon. Le but c'est d'avancer là. Hein. Quand même beaucoup de jeux qui vont sortir là, dont certains que je suis déjà en retard pour que je voulais commencer un peu plus tôt là, donc franchement là je veux un peu plus avancer et je veux faire un peu d'autres choses là. Pas ce que je voulais faire, je me suis trompé. Merde. Toi, tu peux encore me faire ça, n'est-ce pas? Ah! Ah bah, vaincre la limace de la mer. Bon, il était relou, mais avec la relique, ça va. Toute ma bouffe qui est passée quand même. Pité. Et là, qu'est-ce qu'on a de beau? Une conque, merci. What? C'est vide. Y a quelqu'un? Quoi bon tout ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Quelle perte de temps. Le grand alchimiste a sûrement de bonnes raisons de nous envoyer ici. Se débarrasser de ce problème peut-être. Vous avez obtenu bouchon en éterbois. Ah bah c'était là en plus qu'il m'avait envoyé. C'est sérieux, il avait sur lui pendant tout ce temps. Ha ha ha, toujours surprenant. Bon, allons-y. Ok, donc bon, bah tout ça pour ça. Ma foi. Écoute, on va l'équiper. Donc là, c'est doit être la meilleure arme de Reshan. Équiper bouchon en éterbois. Touche finale pour la fiole du temps. Ouais. Ouais, 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 ok. Bon, bah, voilà. Et une conque. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, on va aller au village des Dokari. Et on va donner un petit peu toutes les conques qu'on a. On va voir les bonus qu'on va obtenir. Je suppose qu'on devrait aussi avoir les genres de... Attends, c'était bien là que j'étais d'ailleurs. Merde, c'est quoi déjà la carte? C'est ça. Ah bah non, j'étais allé là où il m'avait dit Reshan. Donc ça, en fin de compte, c'était l'indice de Reshan pour aller prendre son arme ultime. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Plus rien. Bon, bah, j'ai fait son taf. Donc, ok, avec le délire de Reshan qui me donne cet indice-là, on fait, en fin de compte, son arme ultime plus une conque. Ma foi.
Alors ça, Balek maintenant, Balek ça, on verra plus tard peut-être. De mémoire, j'avais aussi autre chose à faire ici, au chemin dans la forêt. J'espère que depuis... On se repose, parce qu'on a pris cher. Récupérer les PM, parce que depuis, avec mes pouvoirs, je crois qu'il y a quelque chose que je peux débloquer que j'avais pas avant. On va confirmer ça. Il y aura, et c'était une conque qu'il y avait, je me rappelle, du coffre qu'il y avait là-haut, là. Ouais, c'était ça, ici, là. Est-ce que maintenant je peux... Passage de la bouffe. On va en avoir besoin, je crois. Là, ça va, les petits ennemis, là, ils font chier. Là, il n'y avait pas un truc à faire, là. Il n'y avait pas un truc qui sort. Ou c'est pas maintenant. On va voir hein, s'il faut c'est bien là, s'il faut je vais encore bien perdre mon temps. Ça j'avais oublié mais je l'avais déjà fait sûrement non. Voilà, ça fallait le mettre dans le bon sens mais pour l'instant je sais pas encore trop lequel c'est. C'était là, non, c'était plus haut. C'était là. Ok. Alors, le délire, quel était-ce ? Ah ben le voilà. Alors lui, il va là, je suppose. Voilà. Et là, ça se répercutera là. Voilà, c'est bien ça, le rayon. Là, je vais l'amener là-haut. Il faut le faire monter. Que d'énigmes. Ah oui, là, ça fait venir le laser. Et vu que j'avais le bon sens... Ok. Donc, en tout cas, il y avait bien une conque ici. J'avais pas rêvé. Oh, les trois, bim. Un peu de bouffe, peut-être, quelque part, là. Là, il y a un petit coffre. Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Cristal de Lucent. Oh, qu'est-ce que c'est, cet objet, là? Merde. Oh là là. Je suis encore perdu. C'est sûrement un objet clé. Non. Peut-être ça. Ah bah oui, c'est ça, du coup. Cristal de Lucent. Génère une charge de boost en plus au début, attaque ou grappou, en début de combat, attaque, une charge de boost, oui bon, ma foi, pourquoi pas, ça a l'air cool.
Bah, Crystal de Lucent, ok, non, j'ai une nouvelle truc comme ça. Nouvelle accessoire. Voilà. Voilà ma petite conque que je voulais depuis le début. Maintenant, on peut se casser. On a fait ce qu'on avait à y faire. Là, ça y est, on en sort. Mince, mince, mince. Je voulais pas vous tuer, moi. Oh là là. Puisque vous insistez, hein? Et vous qui l'avez voulu, hein? Tant qu'à faire, on dit pas non un peu de bouffe, hein. Étant donné toutes les quantités de bouffe qu'on a utilisées sur l'autre combat là, qui m'a saoulé là. Là, on est allé déjà, ouais. Oui, il y avait un combat. Oups. Il y avait un coffre. Allez, maintenant, on l'a dit, on va chez les Dokkari. Bah non, c'est cool, hein. Voilà, j'ai pris une conque en plus. Les Dokkari, c'était où? Bah c'était là. Lac d'Okaria. Blub 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 blub. Le petit kid, il était là. Alors, vous avez des choses pour moi. Donnez des conques. Allez, prends tout. Fais-moi plaisir. 43 conques, félicitations. J'ai quelque chose pour vous. Et ben voilà. Putain, les plans que j'espérais avoir dans le jeu, je sais pas comment. Ben, on les a avec les conques, en fait. Oh là là. Corne d'abondance. Plan. Plan. Perroquet à œil de faucon. Alors, ça, je crois que c'est très, très, très bien pour finir toutes les conques, là. Recette poutine. Plan du spa. Eh bah putain, waouh, j'en ai eu des choses. Reliques, j'ai eu des reliques. Bon, ça, tu sais quoi, on va les garder, parce que voilà. Étincelle, ça, c'était nul. Audace douteuse, augmente les dégâts suite 40%, non. Non, non. Voilà, perroquet, ajoute un perroquet chasseur des trésors au Vespertin, peut-être interrogé en consultant la carte. Et donne des. Ouais, alors ça, voilà, c'est typiquement le genre de. Comment ça s'appelle? De radar, là, qui va bien aider à faire le 100%. Ou en tout cas sur les conques, hein, je vais voir si après, en fonction de ce qui reste, si je fais ou pas, si ça me saoule ou pas. Mais en tout cas, c'est très cool. C'est très cool d'avoir eu enfin ce détecteur-là. Plein de jeux avec plein de trucs, plein d'objets cachés. Il y a toujours un. Enfin, en général, c'est bien, en tout cas, quand il y en a un objet ou une carte qui montre les objets cachés ou un autre moyen de le savoir. Bon, bah là, c'est par ce genre de. C'est par le. Par ce perroquet. Donc là, on va aller à Myrte, n'est-ce pas, avec les plans. C'est où déjà? Parce que là, le coup des plans, là, je vais enfin pouvoir bien développer la ville, ce qui va me. Permettre, il me semble, d'élargir aussi les possibilités que je peux faire là. Alors, mais avant, on va farmer, farmer, farmer. Je crois qu'il y a des patates en plus. Il faut que je refasse faut que je refasse les tartes de bidule là. Voilà. Là,
Là, j'en avais une de conque. Ouais, le coffre est là où j'ai pris. Allez hop, j'ai plein de plans. Ah oui, là. On va transformer la petite ville en capitale. Plan d'auberge. Intéressant, mettons-nous au travail. Alors là, faites-vous plaisir. L'auberge est maintenant disponible à Myrte. Alors, avant de tout débloquer, on va d'abord faire les bâtiments les uns après les autres. Ça a bien marché, vous avez déjà trouvé un professionnel pour gérer cet endroit. Et je crois que oui, hein, parce que j'ai eu pas mal de recrutements là, donc normalement j'ai déjà tout le monde. On verra. Ah! Oh Valère, je dois vous remercier pour m'avoir permis de gérer l'auberge de Myrte. Je ferai tout pour en faire un établissement remarquable. Blablabla. Chanson aléatoire, non, pas aléatoire. Ouais, c'était bien ça, c'est la 3. Alors là, celle-là. Cette reprise de la. De l'avant-poste des bâtisseurs, mais en version pirate, mais je fonds pour celle-là, quoi. Taladam, 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 roulette. Et on a quoi, là? On peut pas se reposer, pas un truc caché quelque part. Oh, elle est trop bien, cette musique, elle est vraiment trop bien. Allez, toi, viens ici, jouer la roulette, partie expert. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ah, oui. Ma compo. L'ingénieur, il était cool. Allez, on va faire une compo classique. Le mage et le guerrier. Mage et guerrier ou mage... Parce que là, les deux, ils mettent des plombes. Allez, on va commencer comme ça, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Bon bah, apparemment on va commencer par là. Hein. Le bien des points d'XP s'il vous plaît. C'est cool, on va commencer à le bourriner avec le mage apparemment. Oui, le mage va déjà attaquer. Alors, il attaque deux fois, si je ne dis pas de bêtises. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard de voleur, là. Oh, le salaud, salaud, salaud. Bon, c'est pas grave. Quoique, c'est pas grave. Je veux bien un peu me protéger, moi aussi, quand même. Hein. 6 points d'XP pour quelqu'un. Merde, moi. C'est bien, ça passe bien par-dessus. Oh là là, là il faut que je bourrine avec le chevalier. Faudrait que j'envoie une double charge en fait. Voilà, c'est pas mal. Déjà il y en a un qui va level up. Ouais, si j'arrive à envoyer ma double charge, franchement c'est cool. Le chevalier il se recharge rapidement, c'est pas grave. Uf, il y en a eu des choses là. Ouais, là, si on peut avoir des losanges, très bien. Et là, bah, ce que tu veux. Je sais pas. Un autre losange, je dis pas non. Et là, normalement, je l'ai ma double charge. Ah non, je croyais. Bim. Hop, on remet ma musique préférée, parce que c'est ma musique préférée. Talalam pam bam. Ah putain, il a déjà son voleur en gold. Oulalalalala. Voleur en gold, il y a bien moyen qu'il fasse bien chier. Oh là là, salaud.
Allez, on prend le risque. Ma foi. Oh, c'est pas vrai, mais quel salopard, ce voleur en or. Ouh là 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 là. Mais ça, c'est chaud du boudin, là. Non, ça va pas aller, là, monsieur. Bon, tac, tac, tac. Après, il faut que... Ah non, là j'ai ma double charge. Donc là, ça devrait... bastonner. Putain, je vais le taper, ce... Ah non, bah j'ai perdu, de toute façon. Ah, mais cet assassin, malheur, mais ce voleur, ah, ce qui m'a mis, mais... Oh là là, il n'y aurait pas eu ce voleur, mais je l'aurais fini depuis longtemps. Oh, putain, mais à quoi ça sert de m'acharner pour monter le match si après, le putain de voleur, là, il me fait baisser la jauge, là. Oh, sans déconner, hein. Quelle cruauté, ce jeu, là. Allez, on est reparti. Même compo... et même compo. Allez, cette fois, on torche ça vite. Voilà, là, ça commence à être du bon tirage. Ouais, là, franchement, on est bien parti là. Comme quoi, dans ce jeu, c'est vraiment une question de tirage aussi. Hein. Allez, déjà, bim. Et level up. C'est quoi, s'il faut, on va lui refaire encore la même. J'avais fait une partie où je l'avais quasiment enchaîné avec le chevalier. La partie, elle a duré 3 tours. On va voir si on peut pas faire pareil, là, tiens. Voilà, si, tant qu'à faire, on peut aussi monter le mage. Je n'en dis pas non. Voilà, ding ding. Ah, et là, t'as pas le temps de te monter, hein, Kiki. Hein. Allez, bon, soigne-toi si tu veux. Et bim. Oh, sans deck. Oui, c'est pas grave. Tu peux m'attaquer. Ça ne renforcera que plus ma détermination. allez, on se concentre sur le chevalier. On a l'air très bien parti sur le chevalier. Et bim. Doudoudoum, toum, toum, toum. Bah c'est très bien, écoute. Là, c'est aussi très bien. Ça permet de charger tant que possible le mage. Un point d'XP, on dit pas non, parce que on va envoyer la bombe si on charge le truc. Hein. Si on charge la magie de la barre du chevalier. Oh le salaud, salaud, salaud. Là, normalement, s'il n'est pas pour moi, ce game-là, je comprends plus. Hein. Là, on a quoi? Voilà, là, normalement, je le finis de fou. Là. Allez, bim. Et blingue, je m'y attendais. Et là, si j'arrive à remplir l'XP, si je fais 2 points d'XP sur le chevalier, on est bon. Ouais, ouais. Bon, j'aurais bien voulu un meilleur tirage pour finir quand même. On dit pas non à une petite muraille aussi, écoute. Oh là, attention, il remonte, il revient au score. En espérant avoir des doubles. Petit point d'XP. Ouais. J'ai très bien démarré, mais là, franchement, je commence à traîner, là. Hein. Oh, putain, les joies des tirages, sans déconner. Ah, putain, les joies des tirages, c'est vraiment du bol. Non... Voilà, c'est déjà pas mal mieux.
Allez, on y croit, on y croit, on y croit. C'est bien. Là, c'est exactement ce que je voulais, parce que quand bien même il continue à faire monter un peu comment ça s'appelle, la muraille, j'ai une boule de feu qui passe au-dessus. Et ça devrait... Voilà, là, je le finis, là. Normalement, je le finis. Sauf si lui, il m'emmerde. Ah, putain, je vais le taper. Mais je vais le taper. Oh, je vais le taper, c'est pas possible. Ça, pour moi, c'est illégal. J'ai trop bien commencé pour finir en caca comme ça, sans déconner. Ah, c'est énervant, là. J'ai trop bien commencé, là. Putain. Ah, putain de sa mémé, là. Oh là 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 là. Bon, allez, on change un peu la compo. L'ingénieur, il est très cool aussi. Permet de... construire le mur automatiquement un peu là. Oh là. Ah, cette deuxième défaite là, franchement, là je le prends mal. Là. Putain de voleur. Là. Allez, bienvenue. Si on peut un peu faire monter les autres aussi. Oui, ça va, allez, ça me va. C'est pas grave. C'est pas grave, on a commencé à bien monter. Là, 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 ça me va pas mal. Si en plus on peut avoir un petit point d'XP, histoire de faire le petit level up qui va bien. Eh ben non. Tirage de merde, je vais faire une attaque quand même. Ah oh, putain, relou, relou, relou. Là, on est bon. Je vais y rester comme ça parce qu'il va attaquer. Et il va me faire 2 points d'XP parce qu'il va attaquer, donc ça sera pas mal. Et là, c'est exactement ce que j'espérais. La petite double charge qui va bien aller. Et cette fois, le coup final. Allez, mon petit chevalier. En selle, si je peux avoir des doubles trucs, je dis pas non. Taras. Ouais, allez. Soin, un petit point d'XP à côté. Là, même si je l'attaque avec l'ingénieur, ça servira à rien. Non, si j'arrive à lui refaire la charge du chevalier là, nul. Tirage bidon. Oh putain, tirage de merde, c'est pas vrai. Vu qu'il a l'air de vouloir insister pour me faire attaquer avec l'ingé, eh ben, écoute, on va attaquer avec l'ingénieur. C'est pas grave. Ouais, là je veux bien linger parce que la muraille a commencé à bien monter là.
Ça me va. Ça me va très très bien. Allez, ciao la muraille. Là, il va m'emmerder, mais c'est pas grave. Oh putain, malheur. Alors là, c'est le chevalier. Oh non, je vais pas encore perdre à cause de ces conneries, sans déconner. Ah, enfin, merci. Bon. Un petit 3 parties, écoute, un petit 3 défaites, on a fini par gagner. On s'accroche, hein, on s'accroche. En s'accrochant, et ben, on devient accrocheur. Voici votre prix. Figurine d'assassin. Ah oui, c'est voleur, pas assassin. Enfin, assassin, pas voleur, autant pour moi. Écoute. Fatigant, mais j'ai réussi. Donc, nouveau plan, spa, boutique. Qu'est-ce que ça donne, la boutique ? Intéressant, mettons au travail. Une boutique a été déverrouillée. Et j'ai aussi quelqu'un pour cet endroit. Mais si je dis pas de bêtises, normalement il va me manquer quelqu'un pour un endroit, zut. Cet endroit est idéal, c'est cool. Qu'est-ce que tu nous proposes, toi ? Bienvenue à la boutique d'équipement. Armure des Dokari. Acheter. Boulier. Truc que j'ai pas, ça. Affiche les PV. Assis, inventaire 1. Augmente la vitesse de navigation. 1, relique. Alors lui, te fait avoir ça. C'est cool, ça. La vitesse de navigation, bah clairement, je dis pas non. Vendre, j'ai des trucs à vendre. Et oui, le vieux matos, le vieux stuff, le vieux stuff. Voilà. Pas mal, on a fait des thunes. Ah, merde. Oh putain, j'ai pas fait gaffe. Max, 900, on est plafonné à 999. Même pas 1000 ou plus. Ah, franchement, là, c'est de l'abus. Vous déconnez. Vous avez déconné. Ça me va pas. Plan de construction. Cabane de pêche. Alors, toi, la cabane de pêche, ce sera sûrement pour, je sais pas moi, le pêcheur qui est juste à côté depuis, de... depuis au moins 10 vidéos. Vous pouvez maintenant pêcher la nouvelle cabane de Myrte. Ce lac spécial contiendra une sélection aléatoire parmi les espèces déjà pêchées. J'ai compris. Ah oui, c'est des poissons au hasard qui sont déjà dispo. Ah ok, apparemment c'est ça. C'est bien, vous avez déjà trouvé un pro. Oui. Ok. C'est pas mal. Bienvenue dans la seule et unique cabane de pêche de Myrte. Je peux vous remercier encore de me permettre d'utiliser cet endroit. Un rêve de percheur est devenu réalité. J'ai 3 améliorations de canne à pêche pour vous, mais vous allez devoir les gagner. Oh, taras. C'est très simple, je vais suivre le nombre d'espèces différentes que vous attrapez, et à certains paliers, vous obtiendrez une amélioration, ça vous va. Ok, écoute, je crois que vu que je pense que je suis à jour, bon, sur tous les poissons du jeu en tout cas. Bien, il n'y a pas de poisson unique au lac relié à cette maison, mais j'y ajouterai les espèces que vous avez déjà attrapées. Voyons voir si vous pouvez compléter la liste, d'accord. Bah, ça y est, non. Et vous en avez attrapé 21. Une ligne. Deux lignes. Trois lignes. Liste des récompenses. Ah, il m'en manque encore 2 apparemment. Zut. Continuez comme ça. Ah bah apparemment... Il m'en manquait 2 pour avoir tout d'un coup, zut. Bon bah écoute, en tout cas j'ai déjà plein de trucs en plus. Zut. Zut, zut, zut. Ah
Là, par contre, apparemment, je suppose qu'on n'a rien à pêcher de neuf, en tout cas. Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Y a-t-il des objets au fond? Bah tiens. Une conque? J'en attendais pas mieux. Alors là, si on s'acharne, je sais pas s'il y a des objets qu'on n'a pas, mais à la limite, je verrai ça peut-être hors caméra pour prendre le temps de. Pour prendre le temps de tout pêcher tranquille. Je vais retourner maintenant que j'ai débloqué la cabane de pêche. Je vais retourner au petit lac d'en bas. Pour voir si ça a bougé aussi. Interrompre. Alors là, c'est quoi déjà le. La boutique? Non, c'était le spa. Vous avez un professionnel. Le lieu a l'air achevé. On a vraiment le lieu à l'air achevé. Ah oui, c'est Myrte. Encore merci pour votre aide. On a vraiment quelque chose de spécial. Tu dis si bien construire un spa, auberge, boutique, cabane. Ok. J'ai tout construit. J'ai tout construit, mais il manque quelqu'un. Il me manque quelqu'un. Recherche spécialiste de la relaxation. Ah, peut-être que ma vidéo chill où on va prendre le temps de faire toutes les conques et tout, bah ça va peut-être être la prochaine, enfin ça va peut-être se faire en deux fois, puisque là je pense qu'on a pas mal avancé. Hop là. Enfin on a pas mal avancé sur les petits à côté, on a fait bordel de trucs de Dokkari, on a fait Myrte. Il me manque un professionnel de la relaxation, c'est où ça? Je voulais aller d'abord en bas. Voilà, c'est là. Là que c'est un lac un peu chelou, là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le délire ici, monsieur, dame? Il me manque un poisson légendaire, c'est ça? Apparemment, je vois rien. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Alors, à vérifier plus tard. Allez, on va peut-être finir cette vidéo par un truc que j'avais annoncé en début de game, d'ailleurs. On va d'ailleurs se retaper un autre boss. C'est le. Je sais pas qui, par contre. J'avais entendu parler que c'était peut-être le boss de la brume, là, qu'on se faisait deux fois. Tiens, est-ce que toi, tu vas plus vite, du coup? Tu vas vraiment plus vite? Ouais, c'est quand même plus agréable, hein. On va se finir le bordel des temples du solstice. Et je crois que c'était du côté de la brume, c'était par là. Par contre, le PNJ là, de la relaxation, là, je vois pas trop trop qui c'est. Faudrait que je me retape simplement tous les villages et puis. Des fois que le boss là se sent encore un fou furieux. Merde, il faut que je cuisine. Bon, on va voir si je peux y arriver sans cuisine déjà, et puis en cas, on verra plus tard.
Petite sauvegarde, parce que je pense que là, ça va tabasser. Je sais plus s'il fallait aller là, ou... ou s'il y avait un autre... Non, là, c'est de retourner là où il y avait les épreuves. De mémoire, là, il y avait un autre truc... Hop. Ouais, c'était là. C'était là qu'il y avait le machin qui vient de s'ouvrir. Sauvegarde automatique. Merci de confirmer. Luana et Solène, vous avez parcouru un long chemin. Des armes très puissantes sont apparues dans le monde des rêves. Montrez-vous en digne, elles seront vôtres. C'est ça le délire. Ce défi ne serait-ce qu'à vous deux. Allez, c'est parti. Combat ultime pour avoir les armes ultimes. Fermez les yeux. J'ai eu un doute. Épreuve de l'ancêtre de la brume. Le vieux sage. Allez hop. Alors qu'est-ce que tu nous racontes de beau, toi? Attaquer. Ouais, il y a moyen qu'on te pète tout. Ah non, il n'y a pas moyen qu'on te pète tout. Ultime, non. Combo, il n'y a pas. Merde. Ah bah non, on peut pas. Ah oui, toi, c'est vrai que t'avais aussi le bordel avec l'épée, là, qui faisait bien chier. Ouais, fallait que je focus ton épée, toi. Lunarang, on va voir ce que ça fait avec ça. Déjà, je vais taper les deux. Je savais plus quoi dire. Petit bouclier, parce que mine de rien, les coups ça tabasse. Hein. Oh merde, je viens de faire le. Non, c'est con là, putain, je viens de faire le bouclier avec bidule, j'aurais dû faire le. Attends. Peut-être que je vais avoir moyen de le faire, de le refaire quand même. Lunarang. Ah ouais, là, Lunarang, il faut là. Là, il faut, parce que si je me fais bêtement allumer en lui laissant ses pouvoirs, là, ça va pas le faire. Là. Ça y est, ton épée, tu peux lui dire ciao. Et merde, j'ai pas d'objet. Oh putain, j'aurais dû penser à cuisiner avant, merde. Bon, au pire, là, si je m'arrête sur un fail... Je vais m'arrêter sur un fail, mais... Au moins, je reviendrai au début de la prochaine vidéo avec... plein de bouffe. Voilà, il va... c'est chaud quand même, hein, à tout prendre...
parce que là, je fais l'un ou l'autre. Oh, bordel de merde. Il va m'allumer, hein. Il va m'allumer ma race, là, hein. Bon, en tout cas, je saurais que je vais prendre le temps de cuisiner et de revenir, en tout cas, mieux préparé. Oh, un petit mille. Putain, il est toujours vivant, en plus. Compétences, écoute. Là, on va clairement pas dire non. Je suis un peu bête aussi, moi, de m'être lancé sur lui sans avoir cuisiné avant, là. En plus, c'est pour ça que je m'étais arrêté à Myrte aussi, pour faire le petit ferme de bouffe, là. L'ancêtre de la brume se sent mieux. Et bah, on va se faire éclater, hein. Je peux pas me soigner, c'est chiant, hein. Un tour pour les deux trucs, mais je peux pas. Hein. Ah, le salopard. Toujours pareil, un tour avec tous les symboles, je peux pas, hein, c'est pas possible. Hein. Sauf si vous savez, dites-moi, mais la combo, ça c'est pareil, hein, parce que si je fais ça comme ça, je fais que un symbole des deux. Ah non, bah c'est possible, bah zut alors, bah merde. Ouais, faut pas date là les kiki. Attends, là... On va faire plutôt ça. Oh non, j'ai pas assez de... Oh putain de merde, mais c'est pas possible encore. Ouais, faut bien économiser les PM, hein. Bah ça, je vais bien le savoir aussi sur... sur mon prochain run, là, de ce combat contre ce couillon, là. Oh putain. Trois tours, hein, il va me déboîter, hein. Eh oui, putain, deux fins de partie en une vidéo, mais alors, sur les deux boss, oulololo. Continuer, bon, de toute façon, on avait sauvegardé juste en haut. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour cette vidéo, on a avancé sur Myrte et pas mal de petits détails. Bah finalement, la grosse chasse à la Wukong, que ce sera pour la prochaine vidéo. Là, on va attaquer la prochaine vidéo sur la vengeance de ce boss. Et ensuite, voilà, faire la chasse au Wukong. Et puis après, le dernier donjon, ce sera finalement pour plus tard. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si je me suis fait marave deux fois. Bon, on va se venger à la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Amusez-vous bien, puis à très bientôt pour la suite de Sea of Stars. Ciao, ciao!